Hello à tous mes petits amours, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver, on va regarder un peu les messages que je peux te faire passer aujourd'hui, pour toi et pour ton autre. Donc, je t'invite à penser très fort à cette personne, et on y va, on va regarder, je pose pas de questions particulières, on se laisse guider. Ok, alors, ouh, accepte l'amour. Ok, donc ici... Si on nous demande d'accepter l'amour, c'est peut-être parce que y a certaines choses qu'on n'arrive peut-être pas à accepter. Peut-être que cet amour naissant, peut-être qu'on en a peur, peut-être qu'on prépare des choses. Ok. Je sens la Saint-Valentin, mais ce n'est pas la Saint-Valentin. Donc, alors, on va la laisser là pour l'instant. On te demande ici, on vous demande, que ce soit toi ou pour ton autre, d'accepter l'amour. On nous demande aussi de méditer pour clarifier une situation. Donc, si on prend ces deux lames-là ensemble, on peut voir quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui a besoin de réponses. C'est une personne qui se pose des questions par rapport à cet amour. Est-ce qu'on est dans l'acceptation de ce qu'on ressent, les sentiments, ou est-ce qu'on n'accepte pas? Donc ici, j'ai la sensation qu'on a quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui, tu vois, c'est ça déjà, prendre soin de lui ou d'elle, mais quelqu'un qui a besoin de réponse, hein. C'est quelqu'un qui peut aller aussi au bord de l'eau pour se ressourcer. Et en fait, peut-être qu'on n'arrive pas à accepter cet amour qui vient à nous alors qu'il est pour nous. Ok, donc ça, j'ai l'impression que c'est du général. Donc maintenant, on va regarder pour toi et ton autre. J'ai l'impression ici qu'on fait des vœux. Alors j'espère que tes vœux sont sur le point d'être exaucés. Ok. Eh bien, tu vois, je parlais de vœux et de prières. La voici. Donc on a encore cette notion d'accepter sa destinée. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a fait des vœux et des prières. Quelqu'un qui a fait certaines demandes et on a été accepté, hein. On a été accepté. Alors, je peux aussi ressentir comme une énergie du fait que si en face de toi, tu te poses des questions, tu as comme une énergie plus, moins, tu sais, dans une pile, il y a toujours un plus et un moins. C'est ce que je sens ici, qu'il y avait tellement de brouillard et tout dans notre vie qu'on a demandé de l'aide. Ça peut être ton autre, hein. J'entends que ça peut très bien être la personne du cœur. Bon, maintenant, on va demander pour cette personne. Que ça soit une fille ou un homme, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Allez, on y va, on commence. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Cette personne du cœur, que ressent-elle pour toi? Changement positif. Alors, j'aime bien cette carte. Alors, ici, on voit quelqu'un qui t'attend, hein, je pense. Ou alors deux personnes, toi et lui, hein, peut-être sur le point de vous sauver, je ne sais pas, vous guider. Ici, on voit une femme qui a enlevé son habit de femme pour mettre son habit de pirate. Et on voit qu'on attend ici, on attend un bateau. Est-ce que ce bateau s'en va ou est-ce que ce bateau arrive? Telle est la question. Moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'un... c'est un pirate ou une pirate, hein? Ton autre, c'est un pirate ou une pirate? Recette de saison et céder à la passion. C'est totalement la même énergie, on dirait, qu'on accepte ce qui vient à nous, on accepte de cueillir ce qui est, on accepte de prendre ce que la vie nous donne, on ne va pas chercher plus loin. Et s'il y a une passion, eh bien, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être que c'est ce petit pirate ici qui envoie de l'énergie à ma féminine. Donc ton hôte, il peut très bien t'envoyer des énergies. On dirait qu'il peut te dessiner, il peut penser à toi. Et toi, tu entends la musique, tu entends sa musique de son cœur et tu risques de céder à la passion. Ok, donc changement positif. Qu'est-ce que cette personne en trois cartes ou en deux? Ok, on me dit un chat. Alors, une dernière. Ok, pour la personne du cœur. Donc, écouter avec sagesse et poursuivre les rêves. Donc, moi, pour moi,
On attend clairement, c'est cette énergie d'attente, que quelque chose germe, de l'attente. Donc, on écoute, on s'entend, hein, de toute manière. Et je pense qu'on pense l'un à l'autre. Et que ça soit toi ou l'autre, je pense qu'on a clairement envie de se retrouver ici. On entend aussi la sagesse de l'un et de l'autre. Bon, ça commence comme ça. Moi, j'ai envie de te dire que cette personne, c'est une personne qui a envie de t'envoyer des messages. Tu vois ou pas? C'est quelqu'un qui a vraiment, je sais pas, c'est comme si on te dit ici qu'il y a des messages qui risquent d'arriver. Des messages, ouais, des messagers, des messages. Il y a des choses comme ça qui risquent d'arriver. Bon, en tout cas, on voit qu'on doit poursuivre nos rêves. Ça, c'est une certitude. On doit écouter la sagesse qu'on a au fond de nous. Vraiment, hein? Écouter son cœur, écouter son intuition. Mais on a besoin l'un de l'autre. En fait, j'ai la sensation aussi que, chère impératrice, tu entends tout ce que ton autre veut bien te dire. Hein? Et on vient t'envoyer les messages. On vient t'envoyer des messagers. Pour te dire comment ton autre se sent. D'accord? L'huit de pentacle. On a du travail ici. D'accord? On a du travail. On a une femme ici qui va prendre des actions. Alors, est-ce que ça veut dire ça? En fait, j'allais pas dire prendre des actions. Après, tu me diras, c'est possible. Peut-être qu'on va travailler, on va acheter des actions. Je sais pas ce que c'est, je connais rien du tout au financier, je connais rien du tout à tout ce qui est la bourse, l'argent et tout, je connais rien du tout. Ah bah si t'as des business, tu me manquerais un SMS. Oh, ça pourrait être une pub, hein. Si tu as un business, écris un SMS. Bon, ici il y a du travail. J'ai la sensation ici qu'on a une femme qui va prendre. On a une femme qui est en train de guérir et qui va travailler. On dirait qu'il y a des prises de décision à prendre au niveau du travail. Donc, on y va. Alors, la personne de cœur, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Allez. Ah, elle revient. Hein. C'est comme s'il y a encore cette colère. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Moi, je pense que mon impératrice, cette personne peut ressentir un peu de colère. Bon, bah, de toute façon, voilà, c'est pas je vais cacher, parce que des fois, après, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a de la colère, hein. On voit quand même que de toute manière, il a et beaucoup de choses en tête, il a envie de s'expliquer, il a quelque chose en lui qui le pousse à agir. J'ai l'impression que c'est un géant parmi d'autres. Et que, ouais, c'est un géant. Et tu peux même te poser des questions concernant ton autre. Tu ne le comprends pas. J'ai la sensation ici que tu te dis, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, on ne se comprend pas ici. En fait, il peut t'envoyer certains messages. Voilà, avec l'as d'épée, certaines vérités, certaines choses, hein, mais tu n'arrives pas à entendre, tu n'arrives pas à écouter avec sagesse. Ouais, hein. En fait, tu es en train de poursuivre tes rêves, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ta sagesse. Mais est-ce que tu entends les messages de ton autre? Est-ce que tu entends ce que ton autre a envie de te dire? Parce que pour moi, ici, on a des vérités qui sont là. On a aussi de la colère venant de cet empereur. On a quelqu'un de juste, hein, et d'équilibré. Et on me dit, mon impératrice, surtout reste comme tu es. Surtout reste aussi généreuse que tu l'es ici. Parce que si c'est ta générosité, hein, c'est ta générosité qui va t'apporter des choses encore plus belles ici. Des illuminations, hein, des rêves prémonitoires aussi en ce moment, c'est beaucoup ça. Alors on me demande, alors attends, je vais en prendre une. Ok. La personne à qui tu penses. La personne à qui tu penses. La personne à qui tu penses. Ok. Alors, déjà, on a la gratitude. On voit quelqu'un. Oh, j'ai la sensation
qu'on a quelqu'un de très lumineux ici, hein, d'accord? Ta personne, ça peut être quelqu'un de très lumineux, quelqu'un qui demande l'aide du divin. L'espoir, waouh, c'est quelqu'un qui a de l'espoir en la vie. C'est quelqu'un qui est connecté au monde de l'au-delà. Je pense qu'il manque quelque chose, il manque quelques détails. Peut-être que c'est ça qu'on attend avec gratitude. C'est cet espoir qui fait que tout est possible, d'accord? Dans le champ des possibles, c'est cet espoir, d'accord? On a espoir de vous voir réussir ici. Vraiment, on a espoir de vous voir réussir ici, c'est ce qu'on me dit. Je voudrais une dernière quand même, s'il te plaît, au niveau de cette personne. Voilà, c'est totalement ça. On a beaucoup d'amour et d'affection te concernant. D'accord? Beaucoup, beaucoup d'amour te concernant. Beaucoup d'espoir aussi. Toujours cette notion de gratitude avec une personne, j'ai la sensation, tellement lumineuse. Et pour toi qui me regardes, pour toi qui me regardes, je peux en avoir une? Ok, merci. On a cette transformation aussi de papillon, donc d'être chenille et de se transformer en papillon. C'est totalement ça. Ok, donc pour toi qui me regardes, on a un soutien, on a comme un lien qui s'annonce. On va peut-être te balancer. Tu sais, c'est comme si tu es par exemple dans un endroit un peu compliqué, on va te balancer une corde pour pouvoir vraiment t'accorder et comment on dit, t'attacher au lien, tu sais, voilà, t'attacher au lien, te réattacher au lien si tu étais en mode chacun de son côté. Alors ici, j'ai quand même la 12, la 14 et la 15 qui me parlent quand même que toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, tu attends quand même qu'on vienne te soutenir, tu attends quand même quelques détails qui vont faire que tu vas pouvoir te rapprocher et te raccorder à cette chaîne, à ce lien. Ton autre, il a beaucoup d'affection te concernant, beaucoup d'amour, de toute façon, on le voit depuis le début. Je pense que cette personne ici, tu vois, c'est une personne qui garde espoir de te revoir, qui garde espoir d'être soutenue et de te soutenir. On y voit aussi que vous avez été bloqué, hein, vous avez été bloqué. Mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, ça t'a permis aussi d'être bloqué comme ça. Ça t'a permis une transformation. Ça t'a permis aussi de voir tout sous tous les angles, parce que je te vois en train de regarder, épier, calculer, réfléchir, analyser sous tous les angles. Tu es maître de toi-même parce que tu as les clés pour pouvoir te délier. Tu as tout en toi. On t'a pas, voilà, aucune charge plus lourde que tu ne peux supporter. Hein, d'accord? Le divin, il est trop bon pour pouvoir te mettre une charge plus lourde sur tes épaules que tu ne peux supporter. Il te mettra toujours une petite épreuve que ton dos peut supporter. Qu'il n'y aura pas non plus de désespération, parce que le divin n'aime pas la désespération, ça lui fait de la peine. Mais il faut accepter toujours l'épreuve avec, bon, pas forcément sourire. Là, j'ai pas l'impression que c'est une grosse épreuve. C'est une épreuve du fait d'être séparé de l'amour de sa vie, d'être obligé de se transformer, d'essayer de se contrôler soi-même. Voilà, ça n'empêche pas de garder espoir, ça n'empêche pas de guérir tout ce qu'il y a à guérir, et ça n'empêche pas l'amour, l'affection et tout ce qui va avec. Ensuite, si je reviens au niveau de l'empereur ou de la personne de ton cœur, je sens qu'il y a eu des vérités. Il y a eu quelque chose peut-être de dit, des mots qui ont été dits. Peut-être que c'est toi, hein, qui a dit ces mots. Peut-être que c'est lui qui a dit ces mots. C'est lui ou c'est elle qui t'a dit certaines choses. Peut-être que ça a touché ton ego. En tout cas, ça a donné à l'autre envie de te rejoindre. Cette personne a très envie d'avancer, on le sent. Mais il y a aussi quand même un peu de colère. Alors, j'ai la sensation on peut avoir un tout petit peu de colère par rapport à toi parce que tu es quelqu'un de généreuse. En fait, on le redit encore ici. Tu es quelqu'un de juste, quelqu'un de généreux. Et c'est ce qui va faire qu'on va te donner quelque chose de neuf. Moi,
J'ai envie de te dire aussi, c'est toujours cette notion en ce moment de faire attention, c'est qui se cache derrière ce qui est caché. Ça veut rien dire. Genre, en gros, tu peux très bien voir quelqu'un, un être, par exemple, je ne sais pas moi, qui est SDF. Voilà, en ce moment, je ne sais pas, je sens que c'est ça qu'on est en train de montrer un petit peu. Je ne sais pas, écoute. Moi, j'ai envie de te dire que tu peux faire une super bonne action, un super bon partage, voilà, donner à vraiment quelqu'un qui en a besoin ou quoi, qu'est-ce, mais ça va se transformer en quelque chose de magique pour toi. Parce que tu vas rendre heureux quelqu'un et ce quelqu'un, lorsqu'il va aller dormir, il va penser à toi. Il va dire, voilà, c'est des petites actions, mais avec des petites actions, on fait des montagnes de grosses actions. On fait des montagnes pour pouvoir escalader de l'autre côté. On fait des montagnes de soutien, on fait des montagnes d'amour, des chaînes d'amour. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein, on a besoin de se soutenir, tu sais, comme le maillon faible. Voilà, le maillon faible, c'est toujours, je sais pas, c'est lequel, je sais pas si c'est le premier ou le dernier, ou si c'est celui qui tient tous les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, avec le monde, tous ensemble, en se soutenant, on peut réussir de grandes choses. Ça, c'est ce qu'on me dit. Alors, maintenant, on revient à nos moutons. La personne de ton cœur, là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle a dans son cœur. Oh, c'est une personne. C'est une personne qui a envie d'un nouveau départ. C'est une personne, je pense, qui a... Excuse-moi. Hein, pardon. C'est bon? Ok. Allez, ça y est. Bon, c'est quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ. D'accord? Avec le magicien. Et je pense qu'il y a eu difficulté, tu vois. Regarde ce qu'on a en dos de deck, on a la 3 et la 4 d'épée. Donc c'est comme si quelqu'un y dormait, quelqu'un y était en mode on comment. Et par contre, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un qui arrive lorsque il va pleuvoir. Lorsqu'il va pleuvoir, il va se passer quelque chose. Donc moi, j'ai une impératrice ici qui dormait, qui dort, et on écrit, il y a quelque chose au niveau du cœur qui va être dénoncé, dans le sens où j'ai la sensation qu'on va dénoncer l'amour, en fait. Hein. L'amour va être dénoncé. Alors, je m'explique. On va avouer certaines choses, on va avouer les sentiments qu'on a l'un pour l'autre dans un journal, je pense. Ok, je ne les prends pas. En fait, cette personne, j'ai la sensation, bon, de toute manière, ici, il y a eu une vérité. Je pense que peut-être que tu as parlé haut et fort, chère impératrice ou cher empereur, et ton autre a entendu. On parle que cette personne, elle rêve d'un nouveau départ. De toute façon, elle est sur ce nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre des bonnes décisions pour notre vie. Je pense qu'il est en mode doute. Hein. Il y a certaines choses, il doute. Et effectivement, nous avons la 15. La 15 à l'envers. Donc, c'est des mauvaises dépendances. Oui, c'est ça, c'est des mauvaises dépendances. En fait, cette personne, j'ai la sensation ici qu'on lui propose des choses. Mais bon, voilà quoi. Ok, quoi d'autre? Une dernière, s'il te plaît. Bon, de toute façon, il va prendre la décision, cet empereur. Hein. Il est dans le doute, mais au bout d'un moment, regarde celle-ci. Hein. Bon, même si peut-être qu'il va revenir sur ses pas. J'ai envie de te dire, peut-être que cette personne va revenir sur ses pas. Oui, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, il y a... Quoi qu'il en soit, on va proposer quelque chose à cet empereur ou la personne pour qui tu me regardes et il va hésiter. Il y a comme une hésitation. Je pense qu'il va hésiter. Allez, qu'est-ce que je peux avoir sur ça? Ouais, c'est l'empereur, hein, d'accord? C'est véritablement ton empereur. On parle d'un empereur qui a beaucoup d'espoir, beaucoup de. C'est quelqu'un qui a encore des rêves, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a encore des rêves d'enfant, des rêves d'enfant. C'est un homme, hein, c'est un homme, c'est un vrai homme, mais il a encore des rêves, d'accord? C'est pas quelqu'un qui a abandonné la partie. Non, 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 non. Il a encore des rêves d'amour, il a encore des rêves magnifiques pour sa propre vie. Hein, on nous le répète ici avec l'espoir, l'étoile. Donc, c'est un homme qui a quand même envie d'une certaine notoriété.
J'ai envie de te dire, c'est un empereur avec le magicien qui a envie d'être reconnu. Maintenant, cette 15, pourquoi? Ben, j'ai envie de te dire que c'est peut-être les personnes autour de nous. Mais vu que j'ai pas envie de parler d'eux aujourd'hui, je pense qu'il y a des énergies toxiques. Voilà, ça peut même être en nous, tu me diras. On a tous en nous ce petit lion, cette petite lionne qui essaye de sortir, qui essaye de rugir et qu'il faut qu'on arrive à dompter. Hein, voilà. Ce valet de pentacle ici, ce page de pentacle, l'empereur, où va-t-il? Alors, on a une reine d'épée à l'envers. Donc, il y a une femme autour de lui. Peut-être qu'il prend la tête. Hein. Voilà, le 10 de bâton parle de quelque chose d'assez difficile. Franchement, c'est un chemin qui, pour arriver à ses étoiles, c'est un chemin qui est lourd pour cet empereur. Hein. Véritablement. Hein. Il a suivi un chemin. Tu vois, c'est comme si, en fait, il a suivi un chemin. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt lourd. Hein. Il n'aurait peut-être pas dû suivre ce chemin-là, je ne sais pas. Tu vois, c'est le même. Il a suivi un chemin ou il va suivre un chemin qui va être assez compliqué pour lui. Donc, il faut toujours réfléchir à deux fois. Ici, on peut parler d'un projet par une femme. Une femme, ça peut être une femme de la justice, ça peut être quelqu'un, tu sais, voilà, avocat, médecin. Ça peut être une femme qui travaille dans la justice, comme ça peut être une maman, comme ça peut être quelqu'un autour de toi. On dirait qu'elle va te proposer un projet, mais que ce projet, c'est bof bof. Hein. C'est pas non plus. Ça peut être aussi un projet qui va être trop lourd. D'accord, ça peut être vraiment un projet qui peut être trop lourd. On peut y voir aussi un peu de la manigance, hein, des manigances. Donc avec des personnes qui veulent t'éloigner de ton rêve en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pas la peine. Alors j'ai envie de te dire que cet empereur là, il a des choses en lui qu'il ne dit pas et il rêve quand même malgré tout d'amour. Hein. On y voit ici, il a envie de déclarer sa flamme avec le valet de cœur. Hein, c'est clairement ça. Il a envie il a envie, mais voilà quoi. Allez, la reine de cœur. Je l'ai senti en fait. J'ai envie de te dire, mon impératrice, qu'il a envie de te parler quoi. Hein. Il a envie de te parler, il a envie de te dire à quel point il tient à toi. Tout simplement, 6 de pentacle qui revient, qui est là. C'est la 6 de pentacle ou la 6 de bâton? Ah, 6 de bâton, tu me diras, c'est un peu la même chose, c'est la même énergie. Ouais, ça me dit bien aussi, encore avec l'étoile. Moi, ça me dit bien aussi, j'ai une impératrice ici qui est tellement généreuse avec autrui que le monde divin, il la kiffe en fait. Hein. Voilà, c'est ça. On a une impératrice qui donne tellement de elle-même que en fait elle est bénie, hein. Tout tombe en fait, hein. tout tombe. Voilà. Alors on a un message ici avec le magicien. On va regarder un peu. Cavalier de coupe, magicien, valet de pique. Ok, le monde, tant, tant, tac et tac. Ok. Donc ici on nous parle d'un nouveau départ. Hein, de force, on part de l'avant, on risque de recevoir des messages qui vont nous parler. Ça peut très bien être cette personne. On te dit qu'il y a... attends, laisse-moi prendre une dernière lame quand même. J'aimerais savoir ce cavalier de coupe. Alors, on me dit quoi? 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui attend un projet. J'en veux juste une, s'il te plaît. Hein, regarde, voilà. Donc... c'est comme si, en fait, il y a deux êtres, toi et ton autre. C'est comme si on est parti, on a refait un nouveau départ. Il y a des gens qui vous observent. On parle ici de réunion pour pouvoir, en fait, s'unir devant le monde. On parle d'un engagement qui va prendre un peu du temps quand même à arriver parce qu'il est à l'envers. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que cette personne n'arrive pas à te dire clairement ce qu'elle pense. Elle n'arrive pas à te dire les souhaits qu'elle rêve et elle n'arrive pas à te balancer des messages, tout simplement. Mais cette personne, il y a quand même un peu de choses en lui qui se passent te concernant. Ok? Vraiment. Alors, ok, on me dit de reprendre ça. Là, c'est vraiment pour dire que j'ai une impératrice ici qui est tellement généreuse avec autrui, avec les gens autour d'elle, qu'on lui dit que le monde divin est avec elle. Voilà, tout simplement. Maintenant, la personne de ton cœur,
La personne de ton cœur. Ici, on parle d'une transformation. Il est en colère, hein. Moi, je le sens encore. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-il en colère? Pourquoi? Par rapport à de l'amour. Waouh! Par rapport à de l'amour qui tourne autour de toi. J'ai envie de te dire, eh ben oui. Il a de la colère parce qu'il ne peut pas tout de suite te rejoindre. On dirait que cet empereur, il n'est pas sûr. Avec la tête à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Avec le 12 à côté, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas sûr. Tout simplement, il est bloqué. Quoi d'autre, s'il te plaît? Ouais, ses rêves et des messages. Ici, on te parle de messages qui arrivent, des messages qui arrivent pour toi qui vont te donner. Beaucoup de baume au cœur qui vont te permettre ici de prendre des décisions radicales, hein, au niveau de ta vie, au niveau de ton soleil, de tes passions et de tes envies et surtout de tes vérités. Qu'est-ce qui va? Ok, on me dit reprends. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Alors, laisse-moi regarder une chose. L'empereur, une sur l'empereur. Alors, il travaille beaucoup sur les ennemis, hein, d'accord? Il sait exactement où sont les ennemis, il sait exactement qui l'a trahi, qui ne le trahit pas. Il sent qu'il va le trahir au niveau des entreprises, une association qui va pas aller au bout. Il le sait exactement, il voit déjà à l'avance. J'ai envie de te dire que cet empereur, il est aussi déjà dans le futur. 7-15, ici, s'il te plaît, c'est quoi? Oula, waouh! 7-15, c'est une dépendance familiale, c'est une dépendance d'amour. Et je pense aussi qu'il doit y avoir une énergie peut-être tierce, par-ci, par-là. Voilà, hein, d'accord? On va pas. Je pense que c'est des histoires charnelles. On ne rentre pas dans les détails parce que mon impératrice te voit ici, te voici ici. On te dit que tu as des nouvelles qui arrivent. On va te parler, on va te donner des nouvelles. Le lien, s'il te plaît, le lien entre le lien. Oui, le lien. En fait, pour moi, on est attachés. L'empereur, l'impératrice sont attachés par amour, un amour et des vérités très fortes, mais encore les énergies sont troubles ici. Les énergies sont encore troubles. On te dit que le soleil arrive pour pouvoir illuminer tout ça. C'est encore trouble. Voilà, il y a encore des dépendances, il y a de la jalousie aussi, hein. Il y a de la jalousie au niveau du roi de cœur. Je pense qu'il peut y avoir une énergie tierce et il peut y avoir aussi une femme plus âgée. D'accord? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau de cette quinte, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Toujours une histoire de toi, c'est les mêmes cartes qui reviennent. C'est une histoire de générosité, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de jugement. C'est une histoire que c'est, il y a quelqu'un qui est renaît de ses cendres. Il y a la réalisation des souhaits de l'empereur. Vraiment, il va réaliser ses souhaits. Il va être dans l'abondance, il va être dans la gratitude, il va être bien. Hein? On parle ici de temps de fête. Alors, on fait attention avec qui on fait les temps de fête. Ici, j'ai ma reine de Pentacle. Et ici, j'ai mon impératrice. Donc, voilà. Il y a des temps de fête qui vont arriver avec l'impératrice. Alors, ça peut être famille de l'impératrice, ça peut être l'impératrice tout court, hein, parce que voilà. Mais de toute manière, il y a encore cette énergie toxique ici qui est là. Une pour l'impératrice et l'empereur, s'il te plaît. Nouveau départ. Transformation. Donc, pour moi, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a, ils vont être ensemble. D'accord? Parce qu'on a quand même les lovers, le magicien. Il y en a, ils vont recommencer leur vie à zéro et ensemble. Et je pense aussi qu'il y en a d'autres qui vont prendre des nouveaux chemins pour une nouvelle vie parce que le 10 de bâton nous annonce une fin, une transformation pour un nouveau départ. Pourquoi? Parce que, voilà, avec cette carte-là, c'est vraiment de nouveau départ. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Voilà, donc nouveau départ, nouveau projet. Donc en fait, j'ai envie de te dire que on va dompter aussi peut-être une énergie toxique qu'on a au proche de nous. Hein, je le sens. Ça peut être même en nous des choses qu'on va essayer de tempérer. D'accord? Ok, donc bah pour moi, c'est clair. Pour moi, il y a encore ces énergies un peu bizarroïdes. Donc voilà. J'ai quand même envie de regarder une chose en fait, parce que je suis un peu gourmande, donc je vais regarder. J'ai envie de regarder qu'est-ce qu'il ressent pour toi. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a envie de te dire au niveau du cœur. Que ressent-il?
Je vais prendre celle du dessus où je... Alors, on dit ici qu'il reste sur ses positions. On dit que cet empereur, il est vraiment, il est assis, il boude, hein, même. Hein. Il boude. Hein. Bon, il est en train de travailler une situation. Alors, il est en train de travailler aussi une situation par rapport à des gens qui sont en train de faire des manigances autour de toi. Ou alors, c'est vraiment lui qui est en train de faire un travail. C'est comme s'il y a trois énergies autour de l'empereur qui sont en train de faire des travails, mais c'est vraiment pas du bon travail, hein, d'accord? C'est des rivalités, c'est des choses néfastes. On est en train de travailler à plusieurs. Waouh! Et il y a quelqu'un qui va culpabiliser ici. Ah ben, dis donc. L'empereur, qu'est-ce qu'il ressent? La naissance de quelque chose? Il a envie de prendre des décisions. Il a envie de prendre des décisions te concernant, chère impératrice. Mon impératrice, je vois que tu es en train de bouillir, hein, d'accord? Voilà, tu n'es pas du genre à te laisser faire. Et voilà, tu sens les énergies arriver. Tu sens tout arriver, hein, tu sais exactement ce qu'il en est. Ton intuition te donne, et puis tu as beaucoup d'intuition, j'ai envie de te dire, et puis beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Vraiment. Et un empereur, lui, qui est en mode, il a envie de rejoindre une femme, il sait qu'il faudra qu'il affronte pas mal de choses pour réussir à être en harmonie avec cette personne, hein. Parce que sinon, ça risque d'être chaud patate. Alors, j'ai envie de te dire aussi, cher empereur ou chère impératrice, que la personne de ton cœur t'imagine triste et abandonnée. Mais non, en fait. En fait, j'ai envie de te dire, cette personne de ton cœur est en train d'imaginer que tu souffres ici, alors que ce n'est pas du tout le cas, que tu es en mode cool. Cool, cool Raoul. Et en fait, il vient te sauver, cette personne, parce qu'il pense que tu peines à avancer. Alors, bah oui, 6 de pentacle, 6... Oh, c'est beau! Alors, le roi de cœur, évidemment, on dit qu'il a des jalousies, il ressent énormément de jalousie en ce moment, on va pas se mentir, c'est pas non plus super positif, il est dépendant de certaines choses, il rêve d'un nouveau départ de toute manière, mais il est dépendant de toi, chère impératrice, hein. De toute façon, il est dépendant et jaloux te concernant, il te regarde tout ce que tu fais, il reste sur ses positions, même si par exemple, il devait t'observer d'une cave avec des caméras et tout, il le ferait. Pourquoi? Parce qu'il est fou in love, il attend simplement de te retrouver. Et ici, on parle de visite de ton homme de ton cœur ou la femme de ton cœur. Des visites, une visite inattendue. Voilà, ici on parle de déplacement, hein, c'est véritablement ça. On parle aussi de prospérité. Donc, face à toi, même s'il y a des trafiquantes, même s'il y a des choses un peu qui te font mal au travail, parce que là on peut parler au niveau du travail, qu'il y a des personnes qui, voilà. Mais on te dit quoi? On te dit en fait, regarde tous ces pentacles, tu vas réussir ton kiff de ta vie. Et j'ai envie de te dire, une fois que tu as tourné le dos à ces énergies-là, que tu te retrouves dans ta maison et tu es au calme, regarde-moi ça. Alors, si tu es comme celle qui est dessinée ici, crois-moi que tu es trop bien. Hein? Tu n'as besoin de rien ni de personne. Donc, c'est clairement ça. Ici, on parle de tes pensées. On parle que tu es aussi dans les pensées de cette personne. Avec la lune, il ne dit pas. Hein? Il va pas le dire. Il cache énormément ce qu'il ressent. Mais il a envie de te rejoindre. Et je pense que c'est une envie de famille, de fondement de famille, hein, d'accord? C'est pas des blablas, c'est pas des gnognottes. Il a envie d'être avec toi. Au niveau du centre du cœur de l'empereur, de cette personne, le cœur, hein, le cœur. Coup de fortune. Il a envie d'un changement, hein. Il a envie d'un changement parce que je pense que sa vie est complètement triste. Hein. Il est encore dans cette nostalgie ici. On n'est pas bien parce qu'on est en mode rupture. Et on peut lui envoyer des êtres pour l'aider à sortir de ça, mais il ne les voit pas. Hein.
Voilà, il les voit pas, il est trop triste. On peut avoir quelqu'un qui a des mauvaises dépendances aussi. Il est trop triste, hein. C'est dans sa tête, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que c'est que cette 5-4 de coupe là? Waouh, l'empereur, hein. D'accord? Donc, pour moi, cet empereur, il vit une transformation, une rupture avec toi et il n'en peut plus. Il veut, voilà, je veux pas. L'empereur, moi, voilà, hein, je te dis ce que je vois. Hein. Et pour moi, l'empereur, là, il est tristouné. Il ressent beaucoup de tristesse au niveau de l'as de cœur, donc c'est au niveau de l'amour, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin d'envoyer des messages. Cette personne a besoin de je sais pas, c'est comme si on a besoin d'envoyer une boule d'énergie, une message d'énergie. Mais tout ça par amour, hein. Tout ça par amour. Et le 10 de coupe, hein, qui nous parle véritablement d'amour. Donc, voilà, on s'aime, tout simplement, on s'aime. On s'aime. C'est comme ça, hein. Donc, les énergies sont toujours les mêmes. On me dit de te prendre une lame comme ça, pour la personne du cœur à qui on pense. Waouh! Alors, avec cette carte-là, on parle de choses qui arrivent officielles. Ça revient toujours en ce moment par rapport à la renommée de quelqu'un. D'accord? Par rapport à ta renommée. Ici, j'ai une impératrice ou un empereur qui va être mondialement connu. Alors, mondialement ou nationalement, mais en tout cas, bon, vu qu'on n'est pas nationaliste, on est mondialiste. Bah oui, ça veut dire qu'on, voilà, on a des challenges, on aime les challenges. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a des gens qui vont signer des contrats internationaux, voire mondiaux, tout simplement, hein. Donc attendez-vous à ça, c'est vraiment positif. Alors, nous avons des bonnes nouvelles avec le 2h20. La volonté divine est à l'œuvre. C'est l'heure des récoltes et des opportunités, de nouvelles choses qui arrivent. On a un accouchement qui est protégé et on impulse la gratitude avec le 2h20. Spiritualité, la fin d'un cycle avec 13h31. Eh bien, c'est une belle heure miroir, hein, avec 13h31 et le 13-13. 13h31 et 13-13, c'est magnifique. Spiritualité et fin d'un cycle. Tu vois et comprends ton propre chemin de vie. Tu vas franchir de nouveaux horizons pour un changement positif nécessaire. Ta foi te permet de donner sans chercher à recevoir. C'est le temps de la mutation. Tu t'éloignes des futilités pour en finir avec les tourments, les difficultés matérielles. Un nouveau chemin s'ouvre à toi. On t'impulse la métamorphose et la délivrance. Voilà, tout simplement. Donc, mes choubidous, c'est normal que nous sommes sur une route un petit peu rocailleuse, hein, voilà, on bouge un petit peu, il y a un petit peu des cailloux par-ci, cailloux par-là, on a des obstacles par-ci, par-là, mais c'est pour mieux kiffer et apprécier le moment où qu'on va se poser et qu'on va dire, Aspro. Le moment où qu'on va se retrouver avec cette personne et qu'on va être en totale, totale harmonie. Parce qu'ici, on a la totale, totale harmonie avec notre empereur. Tout simplement. Donc, je te dis, en attendant, prends bien soin de toi. Laisse venir les messages de ton empereur. Laisse venir tous les genres de messages. Laisse venir tout ce qui est à venir à toi. Tant que c'est pas toi qui va le chercher, que c'est les choses qui viennent à toi, tout va bien. En attendant, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous et n'oublie pas, tu es à la meilleure des places. Tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Bisous, bisous. Love, love, love. Je vous aime trop.